Coucou, bonjour. Est-ce que tu te sens fatiguée et lourde de trop penser? Est-ce que tes pensées sont plutôt négatives? Est-ce que tu te trouves un peu raidie dans le corps et comme si plein de choses pesaient sur tes épaules? Alors, il y a des très grandes chances que tu ne prends pas soin de ton corps, que tu te dis: je ferai ça demain. Et que tu te dis: ah bon, bah oui, je ne peux pas m'inscrire dans un centre de fitness pour le moment. Ah ben, je fais rien, j'attends. Le printemps étant là, combien de temps veux-tu encore attendre? La plupart des gens pensent que il faut faire des grands efforts, être super régulier et mettre la grande machine. Et alors, cette envie, elle est là, ce besoin, il est là. Mais le courage, alors il n'est pas là. Et moi, ce que je te propose, c'est de même pas avoir besoin de courage, mais de prendre une décision maintenant, de te consacrer à ton corps, à ton temple, temple de ton âme, 5 minutes par jour. Et ces 5 minutes par jour, en plus de le faire ensemble dans une sororité, qu'on s'y met ensemble. Personnellement, moi, je peux avoir plein de bonnes décisions et de me dire: ok, Gudrun, aujourd'hui, fais ça. J'ai beaucoup plus difficile à tenir ça avec moi-même, alors que je sais que c'est important, que si je m'engage dans un mouvement avec le groupe. Et on fait ça ensemble. Et je vais venir rien que parce que je sais qu'il y a les autres qui le font avec moi et je veux faire partie de ça. Donc, cette synergie de groupe m'apporte tellement et fait en sorte aussi que l'engagement que je prends, que je le tiens plus facilement. Parce que ça, c'est important. Quand tu prends cette décision de te dire: je vais consacrer 5 minutes par jour à mon corps, de savoir soit tu fais un rituel tous les jours le même, soit tu te laisses faire, tu t'inscris au 21 jours parcours que j'ai créé et tu reçois plein de nouveaux outils et plein de nouvelles idées. Et nous avons donc ce groupe sur Facebook où nous faisons ce chemin ensemble. J'ai créé ce parcours spécifiquement parce que moi-même, j'aurais eu besoin de quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que j'ai une tonne d'outils et cette capacité de les mettre dans des petites capsules vidéo de plus ou moins 5 minutes. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu avoir, de pouvoir dire: tiens, j'ouvre un petit. Alors, j'avais envie de vous le montrer, hein, pour vous donner envie. Si tu n'es pas déjà inscrite, après ce que je te montrais ici, je suis sûre que tu auras envie. Alors, partagez mon écran. Et comme toujours, quand on partage son écran, dans Zoom, il ne trouve plus ce qu'on veut partager. Donnez-moi une seconde. Voilà. Donc, ici, je suis dans le cours de Trouve sur une plateforme. Mais j'ai aussi dans ce cours un calendrier comme ça avec les petites portes. Hein. Quand je te dis que c'est ludique, tu te crois que tu sens presque comme à Noël. Donc, sur la première porte, tu as ma petite vidéo de bienvenue. Sur la deuxième porte, nous avons une méditation guidée. Ah, troisième porte, là, là, là. Là, je me trouve dans la cuisine. Oui, parce qu'on va honorer notre corps. Donc, alors, attends, je ne veux pas trop spoiler et dire les choses. Donc, ici, si je clique là-dessus, il va aller ici montrer le message de bienvenue. Et souvent, il y a un petit texte en dessous que tu peux donc découvrir toutes ces petites portes. Donc, comme j'ai dit, chaque jour, tu ouvres une petite porte, tu découvres. Voilà, je ne vais pas tout montrer dans ces cours. Et tu peux donc te réjouir tous les matins d'ouvrir la petite porte. Ou bien alors, tu as les deux. Hein. Tu as les petites portes et tu as les modules également. Parce que dans les modules, je peux te poser des questions, tu peux répondre et les deux sont disponibles et nécessaires en fait. Voilà, je t'invite à t'inscrire. J'ai mis le lien ici et de commencer aujourd'hui parce que le meilleur jour pour commencer, c'était hier. Et comment est-ce que tu vas te sentir à la fin du mois de mars quand le printemps sera là?
on va pouvoir fêter ça ensemble. Comment vas-tu te sentir? Je pense que tu n'as pas envie de rater ce train-là. Ce cours ou ce parcours, il est gratuit entièrement. Tu peux donc faire ma connaissance, si ce n'est pas déjà fait, ou retravailler avec moi par le plaisir de le faire. Et viens avec trois bonus. Le premier bonus, c'est un webinaire où je t'explique pendant une semaine, non, pendant 1 heure, comment tu peux faire un saut quantique, comment tu peux accélérer ce fait de prendre soin de ton corps et de prendre justement soin de niveau vibratoire de ton corps. Bien sûr, en faisant quelque chose tous les jours, tu vas sentir une telle différence, tu vas sentir plus de joie, plus de légèreté, d'ailleurs c'est le titre, et rentrer dans une sorte de flow. Ah, c'est juste même magnifique. Mais dans ce webinaire, je vais t'expliquer comment tu peux accélérer ça au niveau physique. Et l'autre webinaire que je vais donner, c'est à la fin de ce parcours. On va le clôturer avec cela. Et là, je te montre comment, ou je t'explique comment tu peux utiliser cette manière d'augmenter ton taux vibratoire, de sentir plus de légèreté et de joie dans ta vie pour les 5 piliers de la confiance en soi, pour pouvoir devenir cette femme rayonnante et cette femme magique qui se crée une vie magique. Qu'est-ce que tu as dans une vie magique? Dans une vie magique, tu vas vivre ta mission de vie. Le matin quand tu te réveilles, le matin quand tu te lèves, tu as une raison, une bonne raison. Tu vas pouvoir non seulement voir cette mission de vie, ce trésor sur lequel tu es assis, comme je dis toujours, tu vas pouvoir l'ouvrir, tu vas pouvoir transformer ta réalité et aussi aider les autres, donc rentrer dans cette loi de la réciprocité. Et quand ce processus-là va prendre forme dans ta vie d'une manière consciente, la vie va répondre à cela. L'univers va répondre à cela, à son rythme, mais toujours pour ton bien. Parce que la vie, elle se passe pour ton bien, pour que toi, tu puisses apprendre les leçons que tu as à apprendre. Mais surtout, pour ceux qui ont envie de voir le jour à travers toi dans ce monde, puissent voir le jour. Parce que tu es venue comme ça, comme une messagère, dit en français, une messagère, messager. Tu es venue comme ça au monde, ça c'est ma conviction, que chacun porte une lumière à l'intérieur, un trésor. Et le but ici, c'est de l'accepter et de pouvoir en faire quelque chose. Le rendre visible, le rendre palpable, le rendre de ce monde. Et ça, nous avons tous ou toutes envie de le voir. Quelque chose à l'intérieur nous appelle. Donc, le premier étape et le premier pilier de ma méthode Chandra, c'est de prendre soin physiquement, concrètement de cette incarnation. Prendre soin de ton temple et l'honorer, l'aimer, lui donner ce dont il a besoin pour devenir juste absolument magnifique. Et ça, ce premier pilier est quelque chose que nous allons peut-être traiter avec une énergie toxique, une énergie de force, une énergie de lutte, une énergie de guerre contre le vieillissement, les kilos, la fatigue. Nous allons l'étouffer avec des comprimés, trop de télévision, trop de jeux. Oui, parce qu'au lieu de prendre soin comme une maman qui prend soin de son bébé, nous allons jeter ce corps à la poubelle presque et se dire, OK, je vis dans ma tête puisque là, il y a trop de choses qui se passent que je ne peux pas accepter, que je ne veux pas voir, dont je ne veux pas prendre soin. Donc, que ce soldat fonctionne, on va le faire fonctionner. Et c'est une énergie, c'est juste, tu peux avoir la même chose, le même fonctionnement, ce serviteur qui est ton corps, si toi, tu arrives à apprendre à le traiter avec une vénération, avec une gratitude inouïe. Et quand ça se passe avec les
Maintenant, il y a une petite capsule que je te donne d'une manière ludique, parce que il n'y a pas besoin, il y a assez, il y en a marre de devoir et il faut et je devrais. Non, c'est facile, faisons ça en jouant et ensemble en plus, et transformons nous, notre manière de nous habiter en 21 jours. C'est un parcours que je t'offre. J'espère que tu vas nous rejoindre. Je vais fermer les portes la semaine prochaine, lundi, donc ça c'est le 7 mars, au plus tard, pour permettre à tout le monde d'avoir fini le parcours pour la fin du mois de mars. Un gros bisou, une bonne journée et clique ici en dessous et inscris-toi maintenant. Bye bye.